Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau gameplay. Vous le savez tous, il sort aujourd'hui même. Il s'agit du deuxième opus de Plague Tale. Plague Tale Requiem, évidemment. On a fait il y a quelques années Plague Tale Innocence. Ça a été un gros succès sur la chaîne. Et moi j'ai adoré cette aventure. Donc commençons l'aventure. Alors, c'est parti. Alors, politique de nanana, c'est quoi ça? Connaître votre façon de jouer, vous devez améliorer le jeu, d'accord. Collecter et traiter certains données qui pourraient être utiles. Non. Non, c'est bon. Ok. Alors, la première fois que je l'avais fait sur PS4. Et là, on est sur Xbox Series S. Hein, donc, ça, on a changé carrément de plateforme. Donc c'est parti, alors normal évidemment, fréquence des aides. Ouais, normal. Vibration, ça par contre, je veux pas, je déteste les vibrations. Le gameplay, nanana. Tic tac tac, sans éviter les gars, nanana, tout c'est bon. Langue français, langue des voix, oui. Affichage des sous-titres, oui. Langue des sous-titres, oui. Affichage des noms. Nom des personnages en couleur, ouais, ça peut être intéressant. Taille, sous-titres, moyen, on va rester dans le moyen. Voilà, machin, audio, tac 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 tac. Ah, le volume. Le volume de la musique, on va peut-être baisser un peu. Parce qu'on sait jamais si c'est trop fort. Voilà. Tac tac tac, bon je crois que c'est bon, parfait, hop, tac, je pense que c'est bon, ok, allez go. Alors ce serait des longues vidéos, hein. Je vous dis, hein, Plague Tale ça va être de plus d'une heure de vidéo, comme je l'ai fait pour le premier opus d'ailleurs. Allez, on commence le premier chapitre sous un nouveau soleil. Je vous invite aussi à regarder le premier opus qui est sur la chaîne, parce que c'est une suite directe du game, hein. C'est une suite du premier opus. Allez, désolé, hein. Si vous entendez du bruit de fond, c'est que je suis en train de passer une machine, et voilà, si vous entendez un bruit, c'est normal. Et si vous entendez pas, tant mieux. Allez, go. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Ralentis. Tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Le petit Hugo. Ça lui arrive d'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Ok. Notre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Sur le roi Hugo. Le roi, carrément. Oh là, ça fait du bien de replonger sur cette aventure. J'ai adoré, j'étais fan. J'ai eu un coup de cœur pour le premier opus. Très bien. Allez, on court. Et là, le deuxième opus, ça va être un truc de ouf. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toujours toi. En train de courir celui-là. Oh, c'est beau. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perfide attaque mon château. Oui. Et je vais te transformer en scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, ouais, ouais. Hugo et Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez. Viens, Amicia l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Je serai à vos côtés, Majesté. Bien.
5, gardons-le à l'œil maintenant. Oui, 7, on bougera 8, s'il vient. 9, 10. J'arrive. Il arrive, il arrive. Je sens votre... Est-ce qu'on pourrait se cacher là-bas, non? Non, on peut pas, c'est bloqué là. Je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Bruit bloc. Il est horrible. Le perfide a posé ses yeux sur vous. C'est la fin. Je vais même pas me cacher, il y avait rien. Allons, gardez courage. Trop facile. Bon. Je vais me cacher dans les arbres, mais bon. Il faut qu'on se déplace pour rester hors de vue, mon roi. J'arrive! Il va arriver! Était-ce vous, roi Hugo? Ah, je vous tiens! Vous avez sous-estimé mes pouvoirs! Il est trop fort! Ou alors, on n'est pas assez bon! Allez, on rejoue! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! J'accepte! Mon cœur maléfique se délecte d'avance du frisson de la chasse! Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Cette fois, je ne compte que jusqu'à ça! Allons-y, Amicia. Vite, mon roi. Ouais, mais je veux bien, mais allez où? Vous êtes marrant, vous. Mais pourquoi il bloque? Je comprends pas pourquoi il bloque. Oui, Lucas le perfide sort vainqueur. Oh non! Je comprends pas. Ils me disent de me cacher, y a rien. J'avance vers les endroits où on peut se cacher, ça bloque. Ça avance plus. Donc, je sais pas. Je crois que c'est fait exprès. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Je veux devenir alchimiste. Tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien, à plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Ok. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Ok. On va sûrement aller là-bas, hein. Ouais. Tu peux monter sur ces rochers? Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, bien oui. sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. C'est marrant. Oh, oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est la mer. Patrouillons par là. Hop là. Ok, on y va. Wow, c'est très joli. Bah oui. Alors, mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière? Oui. Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazone. Navire ennemi en vue. Ils vont nous attaquer. Oh non. Qu'allons-nous faire? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent. Retourne à ton poste, Amicia. Derrière la branche. D'accord. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, Majesté. Je tire où? Tire, Amicia. Mais où? D'accord. Tu jettes où? Oh, c'est pas drôle. Mais où? C'est pas clair le truc, hein? L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, Majesté. Et de quoi il parle? Mais. Tire, Amicia. D'accord. Mais où tu veux que je tire? Y'a rien, je vois rien, bordel. Oh, c'est pas drôle. Amicia, tire. Oui, désolé du bruit, tout ce qu'il y a là, putain. L'armée du sorcier est en route. Je les vois, nous sauverons votre royaume, Majesté. Bon. Mais...
Putain, mais y'a un truc là, c'est il faut viser où, bordel? Tire, Amicia. D'accord. Là-dessus? Ah bah voilà, mais précisez où est-ce qu'il faut tirer, bande de fous. Oui. Je peux pas inventer, moi. Voilà d'autres bateaux. La magie noire. Ah oh, là 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 là. C'est un truc de fou, ça. Le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Ah, mais il est revenu, l'autre, là-bas. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander... Je peux jouer avec vous? Oui, mais... Qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. Boum. Wow. Boum. Boum. Ouais. Pas le moment de faire des manières. Très bien. Donne-leur le coup de grâce, Tona. Ok. Très bien. Attention, boulet de canon. Oh non, Hugo, à couvert. D'accord, c'est bon, les garçons. Vous avez gagné. Ils se rendent. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Eh. Il était gentil. Allez, en route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Ouais, go. Tu en as coulé des tonnes. Bravo, capitaine. Et Tona était gentil. Oui. C'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûr? Dès qu'on saura comment tu vas. Mais oui. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est dit. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante. Je vais t'aider. Hop là. D'abord, t'es trop lourde. T'es trop lourde. Un jour, je pourrais le faire. Il a dit, t'es trop lourde. Ok. Waouh, ce château est immense. Ouais. Dites-vous, on l'attaque? D'accord, je suis prêt. Maintenant, chargez! Chargez! Ils sont fous. Ouais. La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi l'avance. Ah, c'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. Et oui. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, allez, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai. Oula. Oh. Allez, d'accord. Mal? Non. Mais je veux rentrer maintenant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Ah, ça je sais pas, mais bon. Tu sens ça? On dirait une cheminée. Oui. Ouais. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Oh là là. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Oh, c'est pas bon signe, ça. Pas un bruit, on s'en va. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Par là. Non, ça commence à devenir sérieux.
Oula, c'est qui? Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge! Je vous le jure! Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux! Mais il est fou! Restez ici! On doit sortir d'ici! Là-bas! Oh, non, non! Viens! Allez, monte! Là. Allez, cours! Je suis toujours! Cherche un moyen de sortir! Cette fois, on est trop! Vous ne voyez pas comment vous voulez cette tête! Par ici! Il ne nous suivra pas! Vite! Allez, 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 allez! Vous essayez de voler le bruit de la chaleur! Oula, oula! J'arrête! Pitié! Je vous en supplie! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu. Mais ils sont malades! Oh, chut! Bon sang, Mathias! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là! J'en ai manqué deux! Un garçon et une fille! Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves! Il faut qu'on parte d'ici! Ouais, ouais, bah je sais, j'avais compris. Ils vont nous tuer. Ils ne nous verront pas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mathias, viens. Ils ont salement amoché grand-père. Oula. C'est bon. C'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Vite, 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 vite. On pourrait se cacher ici. Ok. Ils nous trouveraient. On doit continuer. Et quel bon sang. Oh, Seigneur. Arrête, ouh. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. Allez, barre-toi. Il bougera pas. Oublie ça, on cherche. Où on va faire, là? La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Pauvre cinglé. J'avais juste besoin de boulot. Hop. Il faut que je... Ah. Encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en, on se dépêche. Hein? On retourne à la chambre. On fait quoi, Amicia? Cours. Allez, monte. Barrez-vous, barrez-vous. Ouf. Allez, retrace. Voilà, barre-toi. Bon, c'est bon. Allez, go. Ils ont pas touché à ce... Attends. Allez, barre-toi. Barre-toi, barre-toi. Allez, go. Ah, il est là. Il arrive. Qu'est-ce que c'est? On y va. Ouh, ouh. Il a failli nous voir. Failli, failli. Ouh, là, je reviens par là. Non? Attends, il faut aller par où, là? Ok. Ou non. Voilà. Ok. Ok. Derrière lui.
vieille par où déjà? Ça j'ai compris. C'est le déjecter un peu là-bas au fond. Allez, va. Et c'est reparti. Ouais, c'est reparti, ouais, comme tu dis. Vite. Ok. Bon, ben... Pitié, dites-moi qu'on peut sortir par là. Oui. Oui, allez, on peut. Non, ils l'ont fermé. Merde. Peut-être un autre chemin. Il y a un passage, là. Oui. Ah, bravo. Allez, vas-y. T'inquiète pas. Pitié, ne te fais pas repérer. Allez, go. Allez, allez. Go. C'est trop lourd, mais tu peux l'ouvrir maintenant. Allez, go. Oui, ton travail. Voilà, parfait. Bravo. Ils sont où? Ils sont trouvés, Donna? Je ne sais pas. Parce que là, c'est bon. Trop comment sortir. On peut pas le laisser. Allez, on avance tranquillou. Faire gaffe, on fait gaffe. Là, je vois personne. Là, j'en vois un en face, là-bas au fond. Ouais. La porte là-bas. Essayons-la. Non, j'ai cru que c'était une personne, ça. Ok. Stop! Arrête! T'es la plus grosse erreur de notre père! Et je vais arranger ça. Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu. On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non. On vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais le garçon? Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Hop. C'est bien qu'il y ait des QTE. Ah, il n'y avait pas de QTE avant. T'es sérieux, toi? Tu frappes un gosse? Allez, go. Oh non! Non, il s'est évanoui. Pas bon signe ça. Ils ont été capturés, j'imagine. Oula! Oh, carrément un espèce de phénix, hein. Hey! Ah ouais, carrément. Oh, il est beau. Amicia? On dirait le phénix d'Harry Potter. Me fais pas de mal. Où on est?
Ça, j'en sais rien du tout. Ow. Non. Oh non, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Oula. Attends. Ah, il faut que je suive l'oiseau, je crois. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Non, t'en vas pas. Il est là-bas. Respire. Il va m'indiquer le chemin, je crois. Où est-ce que tu vas? Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Je veux repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Ah là là. Allez, go. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui. Elles sont peut-être par ici. Allez, go. Très bien. Oh, quoi? Oh, wow. Je suis où? Amicia? Putain, il est en plein rêve ou quoi, là? Lucas! Vous êtes où? Oh là 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 là. Allez, avance Hugo, allez, courage. Pitié! Pitié! Arrête de crier et aide-moi! Aide-moi à les trouver! Aide-moi! Ah non! C'est pas le moment! Allez, go. Je veux pas mourir. Là, ça le guérit. Mais oui. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvé. Merci. Est-ce que je peux revenir avec quelqu'un? Ah là, j'adore ce game. Je le connais encore à peine. J'ai fait quoi? On a fait à peine 30 minutes là. J'adore déjà le jeu. Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, j'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais Amicia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane, avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain.
La macula n'est pas seulement dans le sang d'Hugo. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il ? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement ? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Ah. R, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Oh oh. Non, 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 non. Le garçon, c'est eux. Viens là. Oh non. Non. Bon, moi il faut que je m'enfuie. Ouh le lot. Je sais que t'es quelque part par là. Montre-toi. Elle est restée dans le chariot. Avance. Reste baissé. Non. Elle était juste là. Elle doit pas être loin. Ouvre l'œil. On devrait aller la chercher dans les champs. C'est ça. Partez loin. Ouais, va, va, va. Dégage. Il est où ? Ils ont besoin de toi. Hugo a besoin de toi. Ils sont où ? Je les vois même plus. Ah, ils sont là-bas. Bon, ils ont dû descendre. Dépêche-toi, à couvert. Hop là. Attention, tu peux le faire. T'as vu comment ils ont dévoré ma cage électrique ? Comment on se débarrasse de monstres comme ça ? Il faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera. C'est eux, ça. Ok. Ok, jusque là c'est bon. Connu. Où y a où ? Ah merde, il fallait que je descende par là. J'ai même pas vu. Allez, retourne de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà, barre-toi. Allez, go, 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 go. Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Nom d'un chien. T'as tué mon fils. Ah. Brûle-le. Non, non, non. Cours. Cours. La maison. Cours, 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 cours. Hop là. Oh merde. C'est toi qui vas crever, frère. Ah oui, c'est là, bouge, bouge. Continue. Allez, monte. Allez. Laisse-toi. Ils sont vivants. Aouh. Allez, oui. Recule. Allez, allez, allez. Ouf. Ouf. Putain, elle a de la poigne, elle. Ouh. Allez! Bravo! Utilise ta fronde, vite, vite, vite! Salopard! Allez, pour revenir! Ciao! Voilà ce que tu mérites! Oh merde, y'en a deux! Tais-toi, toi! Wow! Mange! Vite!
Mange. Ça n'aurait pas dû arriver. Mange. Je préfère aller doucement. Poigne à la viscère maintenant. Comme toi. Hugo. Il respire. C'est le choc. Ok, nouveaux arrivants, chapitre 2. Nous voilà enfin arrivés. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici, Hugo. Cette ville est sous la protection du comte de Provence. C'est un seigneur très très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magister Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison tout entière ? Oui. L'ordre est très ancien. Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère, et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. Il est trop mignon ce gamin. Déjà, il s'en va. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente, surtout. Une girouette en forme de phénix. Faut qu'on retient ça. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici. Bien. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Ouais, c'est vrai que c'est beau, hein, ici. Par quoi on commence ? Eh bien, tu as envie de voir quoi ? Je veux tout voir ! On va essayer. Salut les cochons ! Viande rôtie ! Goûtez-moi ça ! Ah, c'est beau, hein ? Ok. Oyez, oyez ! Le comte Victor d'Arles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean. Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs au marché. Tu as vu ? Quoi ? Les gens d'ici ? Ils sourient. Ah, c'est vrai. Oh, regarde là-haut, la maison avec la girouette, c'est la nôtre. Oh, juste au-dessus du marché. Ouais, la vue va être superbe. Ah, c'est beau.
Oh là là. Madame, et si vous changiez de coiffure? Non, merci, elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien comme ça. Mille merci, monsieur. C'est du quoi? Un premier bras de fer. Oh, ce vin. Un cadeau pour votre père, peut-être? Non, il est mort. Mais il aimait ce vin. Ah, alors c'était quelqu'un de bien. Mm. Oui, en effet. Merci. Les meubles sont vraiment magnifiques ici. Et j'avais une armoire comme ça dans ma chambre. C'est beau là quand même. J'irai me cacher dedans. C'est vrai, oui. Regarde les couleurs. Imagine les vêtements qu'on peut faire avec ça. Des fleurs. Vous pouvez en être sûr. Vous avez une préférence? Il y en a tellement. Des soucis. Primes verts. Oh, tu connais ton herbier, toi? Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. C'est bien. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter dans ce cas? Merci, mais nous aimons les cueillir dans la nature. Vieille habitude. Je comprends. Au revoir. Oui, bien. Allons voir le reste. D'accord. Poisson frais de Corse. Pêché ce matin. Lutte. Premier choix. Comment il peut faire ça? Prenez garde. Moi j'ai fouillé un petit peu, hein, sait jamais. La foire aux bestiaux est toujours prévue? On va déjà y être? Il paraît que certains animaux sont malades. Oh, ah, dans ce cas, je préfère attendre. Le sel de ma propre récolte, une saveur unique. Allons voir notre maison. Ça devrait être un peu plus haut. Dis, on peut partager ma chambre si tu veux. Tu n'en veux pas une à toi? Je quoi sais ici? Pas. Mais comme ça, on pourrait s'inviter dans nos chambres. Oui, j'adore cet endroit. Moi aussi. Je sais pas s'il y a des petits collectibles à ramasser ou un truc comme ça, comme dans le premier. Ah. Oh, il joue de la musique. Oh, je vois rien. Hé, j'ai une idée. Tu vas monter sur mes épaules, d'accord? Ah oui, s'il te plaît. C'est parti. Ouais. Tu vas comme tu veux, là-haut? Oui, je peux tout voir. Ouais. Ils sont marrants. Cette musique est drôle. Ouais, j'aime beaucoup. Ils sont très forts. Jeune homme, il est temps d'aller voir cette maison. Oh non, déjà? Oui, mère doit sûrement s'impatienter. J'aurais voulu rester encore un peu. On viendra. Les gens d'ici, c'est comme s'ils ne savaient pas pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent. Mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. Hop là. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui, j'ai hâte de voir la maison. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un est fatigué. C'est joli ici. Bon, on va monter par là. Hé, hey, vous êtes là. Comment c'était? Ils ont tout ici. Ah, c'est vrai. Il faudra qu'on y retourne ensemble. Bien sûr. On a besoin d'herbes fraîches.
Regardez. Je crois qu'on peut appeler ça chez nous. Oui. Chez nous. Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Je suis content qu'on soit venu. Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste. Je suis pas fatiguée. Bien sûr. Rentrons voir l'intérieur. Ouais. C'est notre porte. Oh. Ça a l'air calme. Et il fait moins chaud ici. C'est beau. Allez, go. Vous êtes prêt à entrer ? Allez, go. Ouais, passe devant. Très bien. On y est, Hugo. Notre nouveau chez nous. Viens, allons jeter un coup d'œil. Oui. D'accord. On verra plus tard. Il est fatigué. Mère, où est la chambre d'Hugo ? Il est épuisé. En haut. Le lit est prêt. Merci. Allez, viens, mon petit Loire. Allez, go. Au dodo. Tu dois venir, Amicia. Venir où ? Sur l'île. Tu seras guérie aussi. Guérie ? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Je sais, mais... j'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature. Mmh. Et la macula aussi. Oublie la logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être... que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si. C'est même pour ça que tu doutes. Amicia ! Il a fait un cauchemar ? La macula. C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu 6 mois de répit après le 2e seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, pars avec Lucas. Magister Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia, je sais. Nous serons prudents. Ouais. Il n'y a que ça à faire, Vincent. Allez, go. C'est à cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Non ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce Magister Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. On verra bien. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Ouais. Là, un garde. Je vais lui demander. Bah, essaye, hein. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magister Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magister. Allez donc voir les fleuristes au marché. Ah, oui, je sais où ils sont. Il qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Je sais où c'est le fleuriste. Bien. C'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. Ouais. C'est quelque part du côté du marché. Elle est là. Voilà. Rebonjour. Oh, c'est encore vous. Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Ok. Vers la fontaine.
Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Alors, la fontaine. Est-ce que j'ai vu une fontaine, moi, tout à l'heure? Il fait là, lui. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver Messire Vaudin. Lui, il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Hein? Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Près de la reine. Quelle arène? Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Ah, là-bas au fond. Allons-nous le trouver? Il y a du grabuge dans l'air. Je le sens. Oui, j'ai interdit aux enfants. Ah bah c'est ça, une arène là-bas. Il y a une arène bizarre là. L'ordre est riche. Que fait un magistère dans un endroit pareil? Il se cache sans doute. Ça va, ouais, rien du tout. Amicia, ce symbole sur le mur. L'ordre? Oui, il est là. Défense d'entrée, l'arène est fermée au public. Et pourquoi donc? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Viens, on va faire le tour de l'arène. Ouais. Ne perdons pas de temps avec les soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Ouais. Désolé. Il y a une porte là-haut. Oui. Où? Ah. Ok. Très bien. Voilà. Nickel. Alors, go. Prête à enfreindre la loi. Allez. Allez. C'est parti. Ok. Oula. La morsure. Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. J'espère pas, parce que sinon on a besoin de lui, quoi. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des taudis alentours. Personne n'a pu remarquer leur disparition. L'indifférence générale. Sans doute. Ok. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Allez, go. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois? Oui. Là-haut, il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Si Vaudin est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit éviter les malades. Lucas... Si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. Non, attends. Je vérifie qu'il n'y a rien, là. Là, on peut le déplacer... Là-bas. Ah, il faut que je le déplace là-bas. Déplace-le. Boum. Voilà. Voilà. Pitié, non. Déjà, qu'est-ce qu'on fait? Il est où? Ah! Je le connais pas. Je le jure. Espèce de... Oh non. La vente est inefficace contre les ennemis casqués. Soyez discret, évitez les affrontements directs. Ok. Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Tu es seul. J'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Pitié. Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non. Combien sont-ils ? Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve... J'aurai une récompense. Amicia, il va nous voir. Mais non. Remercie ce salaud de comte qui t'a laissé crever ici comme un chien. C'est moche de mourir comme ça. C'est ça. Attends.
Il y a eu un bruit. Alors, quelqu'un a vu ce médecin? Rien de mon côté. Un médecin? Non. Le Vaudin est plus insaisissable que Banguille. Juste prendre ça. Ok. Il cherche Vaudin, eux aussi. Il pense qu'il est médecin. C'est bien notre chance. Bah, s'il est là, il n'a pas fréquenté fort pour soigner ces malheureux. Regarde ça, ils sont encore plus pauvres que nous. Bonne pièce. Alors arrête de tout mettre à sac et cherche ce maudit alchimiste. Ah, quelqu'un va finir par le trouver. Ah. Là j'en ai deux. Comment je vais l'attirer par là celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas un truc de ce côté-là? Non. Attends. Hop. Allez, viens. Allez, on va se barrer par là. Voilà, nickel. Go. Pousse. Ok. Parce que là, c'est bon. Oh, tu peux vomir. C'est quoi ça? Oh, pitié, non. Là-haut, on dirait qu'on peut rentrer par là. Hein? Par où? Un moyen de monter. Vite. Il y a une sorte de moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplace les corps avec. Cette cage là-haut semble être de la bonne taille. Oh, elle est remplie de cadavres. Oh, ne regarde pas. Quelle horreur. Allez, vas-y, aide-moi. Le pousser. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyenne est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui. Oh, y a. Ils auraient dû l'avoir venir. Ça n'aurait rien changé. C'est un truc de fou, ça. Allez, go. On y va, vite. Il y a déjà tellement de morts. Comme si elle avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai, mais aucun de ses corps n'a été dévoré. Regarde, j'ai l'impression qu'ils recensaient les morts. Ils ont oublié un couteau. Allez. Il est coincé. Allez. Ok. Y'a rien de fouiller là. Ok, on y va. Je t'ai jamais vu utiliser des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. J'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. Ah c'est ouais. Exactement ce qu'il nous faut. Bon, c'est toi qui vois. Ouais. J'ai refait qu'il n'y a rien parce que normalement il y a toujours des choses à récupérer. Regarde par là, un autre symbole. Bien, mais Lucas. Ah, il faut que j'aille là-bas. Si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Des soldats renégats. Oh là là. Ça veut dire rien qui vaille. Hey, des corbeaux. Quelqu'un veut. Je l'ai même pas vu, lui. Quelle perte de temps. T'as tiré sur un cadavre, imbécile. Ah, ça va. Ils ont bougé au dernier moment. Arrête de jouer et ouvre l'œil. Ou c'est toi qui expliqueras à Arnaud pourquoi on n'a rien trouvé quand il arrivera. Est-ce qu'il peut se tourner ou pas? Ouais, il se tourne. Et go. Non, non, t'as rien vu. Allez, reprends-toi. Ok.
Il descend par là ou pas? Ok. Ils n'ont pas encore trouvé de putain. Est-ce que je peux l'attaquer ou pas? Ouais. C'est bon. Je vais essayer d'aller monter par là. Je sais pas si elle a repris son couteau ou pas. Lui, l'archer, il est là. On va essayer de lui rendre une petite visite. Je peux aller par là. Mais d'abord, j'ai envie de... Oh merde, je l'ai même pas vu, lui. Je m'attendais à plus de soldats. Ils sont où? Peut-être qu'ils sont malades ou peut-être qu'ils préparent quelque chose. On y est presque. Hein? J'ai entendu un bruit. D'accord, j'ai des hallucinations. Ok. Ouais. Ça me dit rien qui vaille, ça. Allez, go. Aide-moi. Allez, oui. Ferme la porte. Oui. Voilà. C'est bon. Toutes ces vermines qui se mettent toujours en travers de notre chemin. Ouais, bon, on y a réussi. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens ont parti. Et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Alors, la manière dont vous... Oui, eh bien, il vaut épargner des vies que de risquer la mienne. Ok. Prudence, agressivité, opportuniste. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, augmentez la main de 3 cibles en fonction de votre subsidiaire de la prochaine. Appuyez sur. D'accord. Bon, là pour l'instant, je pas envie, je peux rien faire. Ok. Allez, go. Oh, cette odeur. Des cadavres. C'est quoi cet endroit? Un hôpital? Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Je crois qu'il vivait ici. Ça explique tout. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas... Ouais. Allez, on y va. Avant d'arriver dans d'autres... trucs qui sont pires que ça. Ok. Faites qu'on y soit enfin. Non, c'est pas lui. Allez, go. Oh, Seigneur, c'est une vraie ville. Le symbole. Il est dans cette tour, c'est sûr. Sûr? Lucas, la tour là-bas. Il faut traverser tout ce chaos. C'est oh là là. La place d'un haut magistère est dans la plus haute tour, non? Ah oui, putain. Ça va être loin là-bas, hein. Oh. Hop là. Oh oh. De toi, Amicia. Non, non, moi je suis pas sûr. Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Non, non, non. Je le sens pas du tout. Ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Non. Eh merde. Barre-toi, barre-toi, cours, cours! Aïe, aïe, aïe. Tu peux te lever? J'essaye. Ne me frappez pas! Calmez-vous! Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici? Oui.
Et je crois qu'il faudra courir encore. Les rats vont de tous sortir encore. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là. Ne lâchez pas la torche. Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Venez avec nous. Nous devons monter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord. Il en vient plus. Il y en a d'autres. Continuez d'avancer. Ils sont trop nombreux. N'arrêtez pas. Oubliez-les. Avancez. Il va se faire bouffer, ce con. Oh merde. Cours. Mais qu'il est con, celui-là. Allez, cours. Ouf, ouf. Non, on est fichu. Non, on a de la lumière. On est en sécurité. Ouais, t'es sûr? Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Ne me lâche pas. Tu crois qu'on va s'en sortir? Il le faut. Soyons très prudents. Je le savais. Je t'avais dit qu'ils étaient ici. Ils sont des millions. Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux? Hugo, ils sont là pour lui. Là. Oui, ça tiendra. Regarde, okay. Il grimpe. Quoi? Comment? C'est un cauchemar. On va jusqu'à cette tour, on trouve Baudin, on le ramène à Hugo et on s'en va. Mon matériel, j'ai tout perdu en tombant. En traçant. Oui, surtout ne fais pas tomber cette torche. On peut escalader ce mur. Mais je dois avoir les mains libres. Pas le choix. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. Mais y a pas le choix, y a pas le choix. Oh non, pas ceux-là, c'est les pires, ceux-là. Ça le termine. On fait quoi? Utilisons un bâton. Il va vite se consumer. Bah oui, mais on a pas le choix. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Lucas, à la nuit tombée. Oui. Rien ne les empêchera de sortir. Ah! Allez, vite, 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 en face. S'appuyer plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, j'allais le dire. Ah. Bien. Un bras zéro à la fois. On peut le faire. On va le faire. Là, une échelle. Où? Où t'as vu une échelle? Ah, là-bas. Ok. Bon. Ce bras zéro, là-haut. Oui. Je peux m'en servir. Ah non, mais je suis con. Oh, hop. La lumière n'attend pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt fragile. Je le vois. Ah, mais je suis con. Attends. Lâcher. Voilà. Je vais juste appuyer. Tac. Boum. Oui. Voilà. Beau travail. Allons-y, vite. Allez, go. Jusque là, c'est bon. Enfin, en hauteur. On se sent mieux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'on va faire deux chapitres à chaque fois, je pense. Comme on fait pour Solstice. Donc on va voir. Si c'est pas trop long, le chapitre, on verra. Poutre. C'est l'unique chemin. Oui. Doucement. Waouh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ah non, non, non. Je le savais. Est-ce que ça va? Non, je suis encerclé. Les chefs, il faut que tu montes, vite. Oui. Fallait que ça m'arrive à moi. J'ai besoin d'aide. Donne-moi après moi. Reste calme. Tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. Et puis, voilà. Ah. Bien. Ça fera l'affaire.
censé faire quoi là? Ah, il faut descendre en bas alors. Attendez, là on va lâcher. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'appuie ça. Je prends ça. À mon avis, je vais descendre par là. Même pas? Non? Non, apparemment c'est pas ça. Ah oui! Attendez. Je suis pas sûr. Tac. Allez. Non, même pas. Ouais, mais le problème c'est comment retirer l'échelle. Est-ce que je dois lui donner ça? Il est où lui? Il est pas là. Ah, c'est en train de partir. Comment je vais faire? Ah bon? Il est où? Ah mais t'es là-bas toi! Putain, je croyais qu'il était en bas. Attends. Il est où le bras? Je crois qu'il est là-bas au fond. Allez, prends. Cassez-vous. Allez, barrez-vous. Ah ouais, je l'ai pas vu le truc là-bas. Boum. Voilà, c'est bon. Merci. Ok. J'essaie de te rejoindre. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. Ok, bah je vais te le donner. Boum. Allez, courage, fais vite. Allez. Et ne tombe pas cette fois. Tu vas y arriver, ne panique pas. C'est un peu tard. Voilà. C'était horrible. Merci. Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. Ok. Bon. Maintenant on peut le faire. Ouais, je l'ai pas vu où il était le mec, je pensais qu'il était encore en bas. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. Go. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Vaudin. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. Ok. Oh non! Me dis pas qu'on doit redescendre. Et si? Tu plaisantes? Non. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. Il n'y a pas de rats? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. C'est dégueulasse. Oh. Qu'est-ce que c'est? Des rails dans le mur. On dirait un monte-charge. On pourrait sortir par là. Ok. Faut trouver comment. Est-ce que je peux utiliser mon truc déjà? Non, j'ai rien. On va essayer de passer par là. Ça sent. Cette odeur, c'est du soufre. C'est une forge, une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Waouh. Oh non. Tu entends ça? Oh non, c'est long. Regarde où bien ils sont. On est coincés, Lucas.
Non, non! Regarde la plateforme. Le bras zéro. Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce. Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver. Ok. Là, les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. C'est du soufre, c'est ça? On va essayer de monter par là. Il y en a de répandus sur cette planche. Tac, tac, tac. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, okay. Ce serait parfait. Alors montons voir. Une manivelle. Ah oui, la manivelle est là. Il y a un mont de charge. Est-ce que ça va? Oui. C'est bon. C'est le plus beau jour de ma vie. Ok. Évidemment, ah merde. Ça ne restera pas en place. Je peux t'aider? Bonne idée. Non, mais pourquoi je suis descendu, moi? Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Naturellement. Allez, vas-y. Ça avance à rien, ça. On perd du temps. Allez. Allez. Avance. C'est quand tu veux, hein. Mais avance, bordel. Signal. C'est bon, arrête. Tout de suite. Voilà. Ok. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, il... On ne sait même pas si elle attaque. Il faudrait grimper sur quelque chose pour atteindre ce coffre. Avec les rats et ses mercenaires. Hey, une chose à la fois. Oui. Hop. Hop. Bien. Alors, tu trouves quelque chose? Tu avais raison. C'est du soufre. Ok, ok, oui. Ok. Enfin une bonne nouvelle. Hop. Bien. Ah. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'hémisphère. On va aller de l'autre côté, je pense. Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce. Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation, comme... Il y en a plein en bas. Peut-être dans ce coffre. Bon. Essayons d'occuper ces rats, d'abord. Ne tombe pas. Merci, Lucas. Allez, on avance. Allez. Est-ce que là, c'est bon? Viens. Mais ça ne suffira pas. Ça va leur plaire. La voie est libre. Viens, allons voir ce coffre. On croirait qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Des bouteilles d'alcool. Oui, c'est bien. Très bien. Reviens. Qu'est-ce qui me fait le jeu, là, encore? What the hell? Elle est où l'escalier? Voilà. Voilà. Nickel. Bien. On a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'énifère. Hautement réactive. Allez, mélange-les. L'énifère. Ça faisait si longtemps. Ça okay. Sauve la vie. Ok. Lance-le sur ses braises avec ta fronde et... espérons que ça marche. Boum. Wow. Oh, bon sang. C'était hautement réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet inifère sera plus qu'utile.
Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Lucas, tu dois le faire. Je ne peux pas m'y rendre. Voilà nos manivelles. Là-haut, sous les arches. Oui. Essayons. Waouh! Ça fait beaucoup de vieilles jarres. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui. Certaines choses ne changent jamais. Ok. Ok. Encore des rats. Ce pot en terre, là. Il pourrait concentrer l'effet de l'inifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. Ce pot de quoi? N'importe quel pot, hein? What? Un pot combiné avec une munition. Ah, d'accord. Ah oui. Maintenant. Oui, allez. Allez, bon. C'était une bonne idée. C'est facile. Ah, pas mal. Il suffit d'avoir un pot. Pas mal, pas mal. Ok. Déplaçons ce monstre. Allez, oh. C'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. Ah, okay. J'attends ton signal. C'est ça, Alicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Bon. Il gardait d'autres animaux. C'est bon. C'est bon. Je vais t'aider, Hugo. Là, c'est bon. Je vais trouver ce vaudin. Mais il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. Ah, il y a du feu là-bas. Voilà. On va refaire un coup. Oula. Ça, on va prendre comme ça. What the hell? Boum, allez bouffer. Voilà. La manivelle maintenant. On fait descendre ça et on file d'ici. C'est bon, Lucas. Prends ça. J'attends ton signal. Je vérifie, je ramasse tout ce que je peux. C'est bon. Oui, ça... Allez. Voilà. On y est. À ton signal. Maintenant. T'as entendu? Le frein doit être en train de céder. Enfonce la plateforme. Vite. Oh. Ah. Tout doux. Ah. Comment on a fait ça? Je sais pas.
énormément d'habileté et de patience. Ça recommence. Tu comprends ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus agiles, plus intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Trouvons le Magistère Vaudin. Avec le soutien de l'Ordre, nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. Pitié, dis-moi que nous sommes sur le bon chemin. Oui, la tour. Ok. C'est un peu rapproché, non? Un peu. Mais c'est mieux que rien. Très bien. On avance. Je ne vois aucun signe des mercenaires. Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. Cet endroit semblait plutôt agréable, en fait. Avant la morsure, oui. Un jardin potager. Oh, regarde ça. Et toi, que fais-tu ici? Celui qui l'a planté ne la verra pas. Hugo va l'adorer. Des petites fleurs. Comme avant. Ça te va? Ouais, comme avant. Ben, merci. Continuons. Là, on peut pas. On va descendre par là. Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette pagaille. Les gens ont l'air de dire qu'il s'en moque. Il laisse son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. Ok. Ok. Il y a un truc là-bas au fond. Ouais, on va descendre encore. Okay. Très bien. Alors, faut aller où? Sûrement par là. On est vraiment plus très loin de la tour. Un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. Si l'Ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. Ok. Sont morts ici. L'endroit était bondé, les issues fermées. La morsure a emporté tout le monde. Ils ont été condamnés. Donc, on attend qu'Ardo arrive pour débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêts à envahir la tour. T'as pas entendu? On a perdu des gars. Il y a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. On attend Ardo. C'est un ordre. Très bien. Tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui, on doit atteindre le Magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens. Ok. Mm-hmm.
Fonce. Allez. Ouf. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Vaudrin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la route, après tout ce qui s'est passé en Guyenne, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors, je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour? Que la morsure tue par milliers? Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà? C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va? D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Trouvons ce magistère, Vaudrin, pour Hugo. Ouais. C'est un vestibule. Il est loin, ce deuxième chapitre. Comment allons-nous faire pour monter? Je ne vois pas de porte. Mais ces sortes de cloches en métal. Regarde, elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône dans leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne, tout ça? Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors... Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Bon, allez. Un Z. C'est ça, Jupiter. Et ensuite? À droite de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. Ouais. C'est un bouclier transpercé d'une lance. Une lance, bouclier. Mars, ça. C'est ça. Maintenant Vénus. C'est celui juste à droite du soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Un collier. Cherche un cercle avec une ligne tracée vers le bas. Ah, tu parles de celui-là à droite. D'accord, ok, c'est celui-là. Le dernier, c'est Mercure, le dieu du commerce. Il porte un bâton avec deux serpents entrelacés. Je crois que c'est Vénus. Le symbole de Mercure comporte deux serpents entremêlés. Tiens. Et voilà, voilà, je crois que c'est bon. Oui. Regarde, ce mur pivote. C'est oh. Vraiment arcane. Ah oui. Bon travail. Allons trouver ça. Ok. Désolé du bruit. Oh là là, ce bruit, bordel! Je suis désolé. Magister Vaudrin, je suis Amicia de Rune. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'Ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'Ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es? Lucas. Je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistra, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice.
Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. Magister Vaudin. Où est-il ? En haut. Comment tu te sens ? J'ai peur. Hugo, voici Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Mère, je m'en occupe. Bon, très bien. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie de Pacte del Requiem. On enchaînera le troisième chapitre lors d'une prochaine vidéo. On attend juste les cinématiques. Lucas, viens, dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier, que se passe-t-il ? Il n'a pas bien réagi, il fait une crise. Quoi ? Mère ! Vous devez arrêter ça. On ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'Ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul. Je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des Bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Elle est très en colère, la petite. Hein. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.